Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je peux vous parler d'un sujet très simple. C'est concernant le gouvernement des Branquignoles. On assiste à la débandade. Alors j'ai appris par hasard qu'il paraîtrait que le président télévangéliste qui nous gouverne plus du tout n'aurait même pas été informé du coup d'État au Niger et qu'il serait du coup très en colère. Mais rassurez-vous, il n'avait pas été informé non plus que la Russie et l'Ukraine euh, allaient s'attaquer les uns les autres. C'est pas grave, on n'a informé de rien. Euh, c'est vraiment euh, ce qui est très symptomatique d'un gouvernement qui a tout raté et qui est incompétent. Alors, avec Macron, c'est ce qui est formidable, c'est que. Euh, il dépense un peu de dingue, comme vous le savez. L'argent part en Ukraine, l'argent part je ne sais où, lui non plus. Et pendant ce « en même temps », on apprend qu'il y a euh, presque 10 millions de retraités en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et euh, pour lesquels rien n'a jamais été fait dans ce pays et surtout pas sous Macron qui avait quand même fait des promesses en ce sens qu'il n'a évidemment jamais tenues. Alors, oui, il faut aussi se poser cette question principale. Que s'est-il passé en France pour que ce pays, qui était si fier de son énergie, qui vendait partout ses centrales nucléaires et son savoir, se retrouve aujourd'hui dans une situation où la même énergie est devenue hors de prix, quasiment inaccessible pour les petites bourses, parce que c'est de la folie. Si vous prenez. Les sources d'énergie, c'est-à-dire le gaz, l'essence, le fuel, le gasoil, l'électricité, vous pouvez vérifier qu'en seulement deux ou trois ans de macronisme ou de macronie, euh, tous ces produits ont augmenté entre 50 et 200 Voilà, c'est tout simple. Et quoi qu'on en dise, en même temps, les salaires n'ont pas bougé. Voilà. Alors pendant qu'on a amusé la galerie, excusez-moi, euh, avec donc, euh, le virus, puis l'Ukraine, puis le climat, puis aussi les retraites, parce que ça aussi ça a été encore un, un truc de dingue comme d'habitude, et ben pour les petites gens et pour les autres, le cauchemar n'est pas prêt de se terminer parce que la hausse des produits énergétiques depuis 2017 n'a jamais cessé pendant ce, en même temps. Et notez que le pouvoir, alors qu'il augmente tous ses produits, déclare en permanence qu'il va bloquer les prix, qu'il va faire un bouclier tarifaire. Alors je ne sais pas ce que ça signifie, un bouclier tarifaire, à partir du moment où les prix augmentent tout le temps. On a, on a l'exemple de l'électricité. Où les déclarations des uns et des autres, que ce soit Bruno Le Maire, Macron, etc., le Premier ministre, euh, tous ont, nous ont assuré qu'on serait tranquille. 2023 serait une année sans problème, on, on, on gèlerait les prix. Quoi. Ils n'ont augmenté que de 35% en 6 mois. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, cette politique est faite de promesses, de déclarations miraculeuses ou lénifiantes pour endormir le, le peuple, surtout des promesses jamais tenues, euh, le pouvoir invente des expressions, des choses, des ch dit n'importe quoi pour euh, essayer de faire passer sa pilule. Notez bien que tout ce qui est impôts et taxes n'a jamais cessé d'augmenter. Ça, c'est une réalité. Je sais que les médias veulent pas trop en parler ou n'en parlent même pas du tout d'ailleurs, mais c'est la réalité, on peut le voir dans d'autres domaines. Hein. Je ne vais pas tout vous citer parce que sinon il me faudrait une heure. Donc ça, vous pouvez le savoir en vérifiant par vous-même. Alors cette politique qui aurait dû être sanctionnée parce qu'elle est, elle est, elle est mauvaise, eh bien non, on a pu euh, encore faire du blabla, baratiner, etc. Et Macron est repassé donc en 2022. Sauf que l'histoire retiendra que Macron est l'instigateur de la vie chère qui pénalise les Français. Et ça, c'est une vérité incontournable. Et moi, je dis, nous devrions tous être dans la rue avec un seul slogan, non à la vie chère. Alors, juste une petite anecdote, là, comme ça, histoire de changer d'air. Euh, hier, par hasard, j'étais chez des gens et ils écoutaient M6. Et j'entends le journaliste présentateur du journal dire attention, hein, c'est du lourd, pour parler de ce que font les Français en vacances quand il pleut et d'ajouter quand ils ne peuvent pas aller à la plage. Et c'est sans déconner hein, ce que je vous dis. J'ai entendu et tout sur M6. Eh bien, on vous montre quoi Tac, Nancy. Alors, bon, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de vacanciers qui partaient à Nancy chaque année pour sa plage, je ne sais pas à quelle plage, parce qu'il n'y a pas de mer. Mais c'est comme ça. Voilà, donc on vous fait un sujet bateau, sur un... avec n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et on est dans ce système, et il faut croire que ça fonctionne, puisqu'on continue. Alors j'aimerais ajouter là-dessus, et pour conclure, que l'été, normalement, il fait chaud, que l'hiver, normalement, il fait froid. Mais cela, c'était avant la propagande actuelle. Aujourd'hui, on nous bourre le crâne pour mieux nous infoder, comme avec le virus, l'Ukraine, et maintenant, c'est les JO de Paris. Alors, je n'ai qu'un conseil, il est simple, fermez la télé. Allez, à bientôt, et merci. Et comme vous savez, on est mal et très mal, et ça continue.